صلي على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين لا سيما النور على النور في طخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Je vous félicite l'anniversaire de مولى الموحدين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. Qui est, comme vous savez tous, et je connais la plupart des frères présents dans ce majlis, Masha'Allah, vous êtes vraiment des gens à haut niveau dans savoir sur Ahlul Bayt, Ma'rifat A'immat Ahlul Bayt, alayhi salam, qui est Nafso Rasulillah, salawatullah wa salamu alayhi. Et ce n'est pas le waya, ce n'est pas l'histoire, c'est Al-Nas Al-Qur'ani Al-Sharif. Et vous savez la différence entre Nas et Al-Dhuhur. Al-Dhuhur, ça peut traduire, ça peut être traduit différemment, mais Nas, il n'y a pas d'autre explication. Nas, c'est Nafsu Rasulillah Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamu alayhi tayyibu afwaakum bi dhikri Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bien sûr, pour Inch'Allah, l'anniversaire de notre imam, ça sera samedi, apparemment, comme les frères, ils ont organisé. Et je suis qu'un petit serviteur, Inch'Allah, un khadim dans ce centre, dans cette période que je serai présent à Paris. Donc, je ne vais pas beaucoup parler sur l'anniversaire de l'imam Ali, alayhi salam. On va fêter l'anniversaire, Inch'Allah, dans deux nuits, Inch'Allah, samedi soir. Mais, plutôt, je voulais prendre de votre temps pour parler d'un livre très modeste que Dieu accepte de nous. Et comme il dit le poème arabe, il dit Ja'at Sulayman yawm al-ard qubbaratun ahdat bi rijli jaradin kana fi fiha fatarannamat bi fasih al-qawl wa i'tadarat in al-hadaya tuhda aw ala qadri muhdiha. Donc on a fait, alhamdulillah, un petit peu des efforts, que Dieu nous aide pour continuer à avoir la sincérité. Dans cette année, j'ai mis un peu de temps sur l'histoire de Jésus-Christ dans le Coran. Donc pourquoi j'ai fait ça? Peut-être c'est une question très importante, surtout aujourd'hui. Il y a beaucoup de sujets très intéressants et très importants. Pourquoi on va mettre une semestre ou quelques mois ou plus ou moins pour ce sujet Jésus-Christ dans le Coran? C'est pour cela, Inch'Allah, je vais prendre un petit peu de votre temps
Inch'Allah, après, je vais vous parler d'une riwaya de Hurra bint Halima al-Sa'diya qui parle de notre Mawla al-Muwahhidin, notre Mawla, notre Imam, Amir al-Mu'min, salamullah alayh. Et que Dieu vraiment nous donne la bénédiction et tawfiq, l'occasion de bénéficier et d'apprendre d'une femme, d'une fille de Halima al-Sa'diya. Quel degré de savoir sur Wilayat Amir al-Mu'minin. Nous, quand on parle Wilayat Amir al-Mu'minin, quand je dis nous, je parle de moi-même. Vraiment, on n'a rien encore compris. Celui qui croit qu'il est arrivé à haut niveau de Wilayat, il doit partir voir Salman al-Muhammadi, il doit partir voir Miqdad, il doit partir voir ces genres de personnes. Pourquoi eux à la hauteur? Avant de rentrer, j'aimerais bien vous dire quelque chose sur Maqam Amir al-Mu'minin alayhi salam. Après, je rentre pour notre sujet de livre et je termine avec le hadith. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. J'ai prononcé le nom de Salman, j'ai senti c'est dommage de ne pas vous raconter ce hadith. Surtout, il y a un des frères, il est présent ici, je lui ai déjà parlé de ce hadith. Un des grands savants à Qom, mais vraiment grand savant quand je dis, c'est pas quelqu'un qui a mis turban, qui devient savant. Je suis son petit élève dans le cours. Ce grand savant, une fois, il était en train de parler du niveau de ma'rifa. Al-maqamat fil ma'rifa. Après, il a dit, quand on regarde sur Usul al-Kafi, il y a une riwaya dans Usul al-Kafi. Il parle d'une personne, d'un adorateur de Dieu, qu'il n'avait pas beaucoup de ma'rifa, qu'il n'avait pas beaucoup de sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pour la santé et longue vie de tous les savants qui servent Ahl al-Bayt, qui sont sincères dans le chemin de Ahl al-Bayt, notamment Samahat al-Sheikh et tous les autres savants que vous connaissez, qui sont sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala, un bon salawat ala Muhammad wa ali Muhammad bi'a'la aswatikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, ce adorateur, dans Sul Kafi, on voit ce hadith, il était en train d'adorer Allah beaucoup, beaucoup, énormément. Un des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Elahi, Mawlai, j'aime savoir quel niveau au paradis il aura cette personne, ce adorateur de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne la permission de voir. Il lui montre. Il voit, c'est une chambre, peut-être comme cette Husseiniya, ou je ne sais pas, privative ou quelque chose. Vous pouvez voir l'Usul al-Kafi, ce riwaya, il est là-bas. Après, l'ange, il est très étonné. Il dit, mais pourquoi toutes ces adorations après quelque chose aussi simple? Il dit, tu peux partir chez lui voir pourquoi il aura que une chambre au paradis. Pourquoi pas plus? L'ange, il va vers cette personne, il le rencontre, il lui parle, comment ça va, etc. À un moment, il lui dit, ça va ici, l'ambiance, etc. Il dit, oui, tout va bien, mais il y a quelque chose qui me rend triste. L'adorateur dit, qu'est-ce qui te rend triste? Il dit, pourquoi Allah, il n'envoie pas son âne pour qu'il mange un peu des herbes ici. Il y a beaucoup d'herbes. C'est dommage. Après, l'ange, il comprend, il dit, voilà pourquoi il n'aura qu'une seule chambre au paradis. Donc, gardez ça dans votre mémoire. Une autre riwaya parle de Salman et le Muhammadi, sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Si vous êtes fatigué, je vais être bref. Si vous n'êtes pas fatigué, un bon salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, la personne, il avait tel degré de savoir, il croyait que Allah il a un âne, il peut l'envoyer je ne sais pas où. Ça veut dire toute une histoire de faiblesse de foi, on va dire. Il avait beaucoup de faiblesse de foi, beaucoup de faiblesse de savoir plutôt. Al-ma'rifa. Donc, un autre exemple, un des anges, il dit à Allah, je veux voir le paradis que tu as créé pour les gens, pour l'être humain. Il rentre, je ne me rappelle pas, 3000 ans
ou 6000 ans, je ne me rappelle pas. Vous pouvez, Inch'Allah, faire recherche pour voir le riwaya. Il dit, cet ange, il part pour 3000 ou 6000, après il est fatigué. Pas fatigué de notre fatigue, parce que vous savez, l'ange, il n'a pas de corps pour ça, pour avoir la fatigue comme nous, on a la fatigue. C'est pour ça, il dit pas fatigué dans le riwaya, il dit malal ou sa'am, quelque chose comme ça, qui n'est pas le fatigue. Ça veut dire, on va dire, ennuyé. Voilà, ennui. Donc, il dit, Allah, je continue, Allah, il lui donne le courage de continuer encore 3000 ou 6000 ans. Après, encore, il s'est ennuyé. Après, il a regardé un petit peu par là, il a vu un château où il y a une houria. Houria, il lui parle, il lui dit, tu vas où? Tu fais quoi? Il dit, je vais voir le paradis. Il dit, toi, après toutes ces années que tu as fait comme voyage, tu es maintenant au milieu de ma royaume. Et je suis une de Huriya, Hurlaïm de Salman al-Muhammadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, moi, pourquoi je parlais de ce riwaya, excusez-moi, mais c'est pour dire à quel degré vous croyez vous êtes arrivé. Vous n'êtes pas encore arrivé au Ma'rifa. Si vous êtes arrivé au Ma'rifa, c'est Salman qui est arrivé au Ma'rifa. C'est pour ça, minna ahlul bayt. Donc, il ne faut jamais croire qu'on est arrivé. Moi, je suis le plus petit, inshallah, je dois essayer d'arriver. Je dois essayer comme Amir al-Mu'min nous a appris. Je rentre dans notre sujet de livre. Donc, ce livre, il commence avec la vie de Jésus-Christ. Bien sûr, avant la vie de Jésus-Christ, parce que c'est important de parler de sa mère. Et la naissance de sa mère, ça veut dire Maryam alayhi salam. On parle dans ce livre de tous les versets qui parlent alaykoum salam, tous les versets qui commencent à nous raconter l'histoire de la naissance de Maryam. Et vous savez les versets qui parlent qu'elle a fait un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Donc, ce que j'ai essayé beaucoup dans tous les textes, d'utiliser toujours le Coran. Et les hadiths de Bihar al-Anwar plutôt, ou Usul al-Kafi, ou des livres très acceptés chez Ahlul Bayt. Et même les riwayats de Bihar al-Anwar, j'ai essayé aussi de voir les riwayats qui ont été un peu traités et étudiés, etc. Donc, d'abord la vie de la mère de Marie, elle-même Marie, la naissance de Marie, pourquoi elle part, fait le ma'bad pour servir Allah subhanahu wa ta'ala, quel maqam elle avait. Quelle vision on a de Ahlul Bayt envers Marie? Pourquoi Marie, elle peut être l'exemple de toutes les femmes de son époque? Et pourquoi elle est parmi les quatre femmes, meilleures femmes du monde? Qu'est-ce qu'elle avait comme qualité? On a parlé aussi dans ce livre, aussi également des quatre femmes qui sont les meilleures femmes du monde, qui, vous savez parfaitement, Maryam bint Imran, Asiya bint Muzahim, Khadija bint Khuwaylid et Fatima bint Muhammad, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Après, on a essayé de passer à la naissance et surtout avant la naissance de Isa alayhi salam. La tristesse qu'elle a eue, Marie, et comment il est né à Isa alayhi salam, etc. Et avec des différents chapitres. La naissance de Issa, Issa le défenseur de sa mère, parce que c'est lui qui a défendu vraiment sa mère avec la situation qu'il avait. Il y a beaucoup de riwayats magnifiques sur ça, il y a beaucoup d'interprétations extraordinaires sur ça. On a essayé d'utiliser plusieurs tafsirs, Inch'Allah, vous pouvez voir, Inch'Allah, dans la bibliographie de livres. On a essayé d'utiliser les tafsirs aussi mu'tabar, aussi acceptés. Après la naissance de Issa, on a parlé de son enfance. Également, vous savez, après l'enfance, on a commencé à parler surtout des attributs de Isa alayhi salam. Cette partie, vraiment, pour moi, c'est très important. Si vous avez des critiques après avoir vu le livre, vraiment, ça me sert pour, Inch'Allah, corriger et perfectionner. Cette partie, j'ai essayé de parler avec les chrétiens, vraiment. C'est pour ça, ce n'est pas 100% pour les frères ou les chiites, quoi que ce soit, ou que ce soit les chiites ou les sunnites, c'est aussi également vraiment beaucoup pour les chrétiens qu'on peut fréquenter, surtout dans cette époque qu'on sent qu'ils ont besoin de savoir sur
la vision de Ahl al-Bayt envers Isa, la vision de Ahl al-Bayt envers Marie, etc. Ici, je n'ai pas du tout attaqué directement. Vous savez, on a une méthodologie d'attaque. Par exemple, on veut expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne croit pas à Ahl al-Bayt, par exemple. On commence à attaquer le Khulafa. Nous sommes contre cette méthode. Ce que nous, notre père, mon père nous a éduqués, ce que les savants nous ont appris, la méthode d'attaque, c'était jamais réussi. On n'a jamais réussi avec l'attaque. On croit qu'on a réussi parce qu'on a pu écraser la personne ou convaincre tout le monde et on a gagné dans la discussion. Mais ce n'est pas toujours cette méthode. Et même, je vous dis, ça ne va pas rester vraiment... Les conséquences, ce n'est pas positif. Peut-être au moment où vous croyez que vous avez réussi. Mais après, on n'a pas réussi. Parce que la personne, il rentre et il commence à se défendre d'une autre manière. Ou il vous déteste, ou etc., etc. C'est très peu les personnes qu'avec des chocs, vous pouvez les guider. Choc, ça existe, je ne suis pas contre. Mais c'est très peu. Les personnes qui acceptent le choc et qui sont guidées grâce au choc. Plutôt, c'est la discussion et l'attirance et le moral et les points qui touchent la personne. C'est ça qu'il faut. Donc, je ne sais pas. Peut-être vous me dites non, nous ne sommes pas d'accord. Il n'y a aucun problème, je profite de votre opinion. Ici, j'ai essayé de ne pas parler de problèmes de trois... Abel Ibn Ruh al-Qudus ou des trinités, etc. Donc, je n'ai pas touché du tout à ces histoires. Je suis parti directement sur les attributs de Isa. Vous savez, les attributs, qu'est-ce qu'il dit Isa dans le Coran al-Karim? Vous rappelez-moi le verset. Dès qu'il est né, qu'est-ce qu'il dit? Qala anni Abdullah. Il faut beaucoup appuyer, il faut beaucoup insister sur ce point. Isa, dès qu'il était né, il a dit Abdullah. Et c'est très important de parler de cette manière. Pourquoi Abdullah tout de suite? Après Atani al-Kitab, après Waja'alani Mubarakan, tous ces attributs, on a parlé dans ce livre de tous ces attributs, mais tout d'abord Abdullah. Et on a parlé aussi que Risalat, le message de tous les messagers de Dieu, c'était de dire nous sommes les serviteurs de Dieu. Je ne sais pas, cette montre, il est correct? Non. Il y a combien de temps pour moi encore? Il est 9h là? D'accord. Encore 20 minutes. 20 minutes, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Après, les attributs, c'est très important. En tout cas, je pense que cette méthode, ça peut être beaucoup réussie pour parler de Isa alayhi salam. Et vous savez, l'imam Rada, il a utilisé la même méthode, ce n'est pas moi qui a créé cette méthode, dit tout même. Imam Rada, dans la présence de Ma'moun al-Abbas, qu'est-ce qu'il a fait, si vous me rappelez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la personne, je respecte énormément votre prophète Jésus, mais malheureusement, il avait un défaut. C'était quoi le défaut? C'était qu'il ne faisait pas beaucoup de prières, il ne jeûnait pas beaucoup. Alors le chrétien, il s'est tout de suite énervé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le contraire. J'allais te respecter énormément, Ibn Rasulullah. Mais là, je sais que j'ai compris que tu ne sais pas beaucoup sur notre prophète ou sur Jésus. Après, il a dit pourquoi? Il a dit toujours il était en train de jeûner, toujours il était en train de prier. Après, qu'est-ce qu'il a dit, l'imam alayhi salam? Il a dit il priait pour qui? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de prier pour soi-même? Donc, c'est avec ces genres de points, et moi aussi j'ai mis les ressources dans, dans les évangiles, on a parlé de l'adoration de Jésus, siyam, jeûner ou prière, etc. Ce n'est pas beaucoup de ressources, je n'ai pas essayé de mettre beaucoup pour énerver la personne qui veut lire, mais un petit peu par là, un petit peu par là, voilà, c'est le but, je pense, de transmettre le message. Après, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Après les attributs de Jésus, on a parlé des apôtres, et c'est très important. Et il y a des très belles histoires, il n'y a pas le temps, mais pour détailler au moins les titres des histoires, mais ils sont dans le Bihar al-Anwar, certains des histoires, certains d'autres ailleurs. Donc, vous pouvez voir, les histoires sont très riches et très utiles. Je vais vous dire quelque chose. J'ai essayé de ne pas du tout de mettre des idées personnelles.
ou des points personnels, vraiment. Parce que ce n'est pas pour dire pour la modestie, non, mais c'est vraiment, je pense, tant qu'on a ce qu'il était dit par Ahlul Bayt, je ne trouve pas la nécessité de raconter ce que je pense moi-même. J'ai utilisé un peu d'analyse dans certaines des histoires, vous allez voir, peut-être si vous le lisez, mais la plupart du temps, j'ai essayé de rester sur ce qu'ils ont raconté à Ahlul Bayt. Quelque chose de très important avant que je passe dans les autres chapitres, je n'ai pas essayé de trouver des ressources qui ne sont pas venues de la part de Ahlul Bayt. Il y a beaucoup de livres, beaucoup d'histoires, par là, vous allez trouver sur les apôtres, etc., etc. Moi, j'ai essayé de prendre tout ce qui était de la part de Ahlul Bayt, alayhi salam. Même pas de Bihar al-Anwar. Dans le Bihar al-Anwar, on a certaines parties, il dit « Ja'a fi kitab kada ». Ça veut dire qu'on a trouvé dans tel livre ou dans tel livre. Non, moi, je n'ai pas accepté d'utiliser cette partie. J'ai essayé d'utiliser que les parties qui sont dites par Imam Sadiq, par exemple. Ou par exemple, Amir al-Mu'minin. Ou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sallu alayhi wa alayhi. Après, j'ai essayé de traduire certains de hikmah, des histoires, des petites histoires qui ont été dites par Ahlul Bayt, hikam Isa alayhi salam. Par exemple, Isa avec les apôtres, qu'est-ce qu'il a conseillé, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à Sobamond, comment attaquer Sobamond, comment faire sortir l'amour de Sobamond de notre cœur, Sobamond c'est l'exemple de quoi, etc., etc. Il y a pas mal de hadiths, 23 ou 24 hikmah. Il y a certains qui sont un petit peu longs, certains très courts. Après cette partie, le retour de Jésus-Christ, cette dernière partie. Ici, j'ai essayé de faire mon but de ce livre, et c'est que de pouvoir attacher la personne qui veut lire ce livre à Imam al-Mahdi, radiallahu ta'ala, farajahu sharif. Parce que, justement, il y a peut-être 10 jours, j'étais chez un des marajas de Rome, qu'il a passé salam à vous tous et beaucoup de salam à Samahat al-Walid. Il a passé. Et c'est un marja à très haut niveau. Marja, on peut dire que c'est le premier marja de Rome actuellement ou parmi les trois premières. Qu'il m'a dit quelque chose. Il m'a dit attachez-vous à Imam al-Mahdi, ajallallahu ta'ala, farajahu al-Sharif. Récitez le Coran pour l'Imam al-Mahdi chaque jour. Et il faut offrir, même si c'est une page à Imam al-Mahdi, pour que vous soyez en relation avec Sahab al-Asr wa al-Amr wa al-Zaman. Donc moi je pensais, c'est très important pour le lecteur de savoir à la fin Jésus, il vient avec qui et pourquoi, et c'est quoi le but de Jésus. Donc pourquoi il fera la prière derrière l'Imam al-Mahdi, et c'est quoi cette histoire. Et le Mahdi, c'est quoi la relation avec la christianisme. Sa mère, c'est qui? La mère de l'imam al-Mahdi, radiallahu ta'ala, farajahu sharif. Elle est d'où? Elle est née où? Pourquoi elle est venue à Saint-Marra? De quelle manière? Tout ça, j'ai essayé, pas très détaillé, mais brefement, de raconter dans ce livre. Et après, la dernière partie, l'imam al-Mahdi et Jésus-Christ. Et notre devoir aujourd'hui, c'est d'attacher tout le monde à l'imam al-Mahdi. Donc, n'importe quelle écriture doit être à la fin, inshallah, serviable pour attacher les gens à notre imam de temps, sahab al-asr wa al-amr wa al-zaman, ajallah ta'ala, farajahu al-sharif, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. قالوا 10 دقائق عندي الظاهر أو خلاص الوقت. لا ما خلاص. إن شاء الله. Je vais terminer avec ce rewaya que je vous ai promis. Et si vous avez des remarques ou de n'importe quelle remarque sur ce livre ou des questions, je suis à votre service, إن شاء الله. Après. Oui, mais ça c'est 9:05. نص ساعة إن شاء الله. إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. On revient sur le riwaya pour terminer avec la meilleure personne après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre imam
أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. L'histoire nous raconte à l'époque de une des personnes ou un des hommes de Bani Umayya qui était très injuste, Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. À l'époque de cette personne, il y avait une fille qui s'appelait Hurra. Hurra, fille de Halim al-Sa'diyya. Vous savez, c'est beaucoup arrivé, si vous lisez les hadiths et tout, on a beaucoup de fois, on entend cette histoire qu'une personne, devant un de Bani Umayya, il a défendu Imam Ali, par exemple. Après, la personne de Bani Umayya ou le gouverneur, etc., il a dit, si tu ne donnes pas des preuves de Coran al-Karim comme quoi vraiment ce que tu dis c'est vrai sur Ahl al-Bayt, je veux te tuer. Ça, c'est arrivé beaucoup. Vous avez entendu déjà des histoires comme ça. À l'époque de Hajjaj, il y avait plusieurs fois, beaucoup, parce que Hajjaj c'était connu, j'aime pas parler dans l'anniversaire de ça, mais Hajjaj c'est connu que chaque jour il y avait des gens qui s'étaient égorgés devant lui. Et dans beaucoup de fêtes, surtout les fêtes, les jours des fêtes, il avait ça. Comme si il faut, vous savez, dans les fêtes, nous, dans l'islam par exemple, on égorge, on sacrifie un mouton. Lui, pour lui, c'est sacrifier un de Shirat et Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. C'était vraiment ça dans l'histoire. Et vous pouvez lire dans n'importe quelle histoire de l'islam, vous allez voir cette personne, comment il a massacré les compagnons de Ahl al-Bayt alayhi salam. Donc, une fille, elle s'appelait Hurra, elle était présente devant cette personne. Elle est rentrée chez lui, il a dit, alors toi t'es Hurra bint Halima al-Sa'diyya. Elle a répondu d'une manière très intelligente pour dire oui. Il n'a pas dit oui, elle était très intelligente. Elle a répondu d'une manière, en tout cas je ne veux pas traduire mot à mot. Après il lui a dit, le Dieu il t'a ramené ici, c'est Allah qui t'a ramené ici. Parce que moi j'ai entendu que toi, tu dis Ali ibn Abi Talib est meilleur que les autres califes. Bien sûr, regardez, le respect, il est là. La dame, elle n'a pas insulté, elle n'a pas ce que nous sommes contre aujourd'hui. Et nous sommes toujours contre, et on sera toujours contre. Parce que nous sommes détruits aujourd'hui. Beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est à cause de certains gens, que ce soit chiites ou sunnites, qui ont fait des choses vraiment naïves, ou des fois des choses interdites dans l'islam. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, dans cette histoire. Donc il a dit, Allah t'a ramené ici. Il a dit, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, tu prétends que, comme quoi, Ali ibn Abi Talib est meilleur que les autres califes. Il a dit, ils ont menti les gens qui t'ont dit ça. Moi, je n'ai pas dit que ça. J'ai dit, Ali ibn Abi Talib est meilleur que les califes, est meilleur que Adam, wa Nuh, wa Lut, wa Ibrahim, wa Daoud, wa Sulaiman, wa Isa. Là, lui, ça y est, il dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je crois vraiment, c'est qu'elle compare avec les califes. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je veux te couper la tête si tu ne donnes pas des preuves de Coran al-Karim. Tout de suite. Nous, on croyait, quand il n'y a pas de pitié, c'est qu'il y a 1400 ans. Mais aujourd'hui, on voit les gens sans pitié. Vous avez vu que Dieu vraiment nous protège et qu'on nous aide pour réveiller les êtres humains, pour réveiller les musulmans, comme quoi ce n'est pas ça l'islam. Allah est témoin, c'est pas ça l'islam. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder Najil Balara, comment Ali ibn Abi Talib, il conseille les soldats. Comment il dit, attention, même si la femme, une femme, elle vous insulte, vous ne dites rien. Une femme, elle est faible. Vous avez tué sa famille, elle va insulter, c'est normal. Regardez quelle méthode Ali ibn Abi Talib. En tout cas, je vais être bref pour pouvoir terminer le hadith. Il a dit, donc, je te réponds, oui, j'ai des preuves de Coran. Et c'est Allah qui a dit, Ali est meilleur que tous ces gens-là. Il a commencé, il a dit, alors, dis-moi pourquoi il est meilleur que Adam. Déjà, l'histoire, elle est très longue, mais moi, je résume, inshallah. Cette fille, elle a dit, vous avez lu le Coran, wa asa Adam rabbahu. Bien sûr, nous sommes bien d'accord que ce n'est pas le marsia dans ce bas monde, nous sommes d'accord qu'il est infaillible, etc. Tout ça, c'est entre parenthèses, moi je vous dis. Mais de toute façon, fa'asa Adam Rabbahu fa'hawa. Et en échange, Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Wa kana sa'yukum mashkura.
Ça, c'est Ali. Après, il a dit, Enouh Elout, qu'est-ce que tu as à dire? Il a dit, vous avez lu le Coran, qu'est-ce qu'il raconte de femme de Nouh Elout? ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا ها فخانتا ها صالحين c'est vrai ou pas يا صالحين صالحين فخانتاهما alors que l'autre verset de Amir al-Mu'minin qu'est-ce qu'il dit تحت عند سدرة المنتهى et il faut voir l'interprétation après elle rajoute elle dit qu'elle était le mari de qui de Fatima alayhi salam Fatima, qui est la meilleure femme du monde. Sayyid ibn Sahil al-Alamin. Et après, il explique des choses, je n'aime pas prendre beaucoup de temps. C'est une très belle riwaya. Après, il dit, Ibrahim, qu'est-ce que tu as à dire? Aussi, il dit, وَقَالَ إِبْرَاهِمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Bien sûr, toujours, je vous dis, il ne faut pas tout de suite dire, oh, il n'a pas été mu'min, Ibrahim. Astaghfirullah. Vous allez voir, vous devrez voir tafsir. Ce n'était pas ça. Ce n'est pas vraiment, il avait faiblesse, Ibrahim. Vraiment, on n'est pas là pour dire le contraire. Nous, on est contre certains frères sunnites qui disent, dans leur interprétation, etc., des choses vraiment négatives sur Ibrahim, alayhi salam. Pas du tout. Mais quand même, c'est un maqam. Que Ali ibn Abi Talib, dans, en échange, il dit, là où couche et fait le rita, mazdatu yaqin. Il dit, alors Moussa, il dit, vous savez, le Coran, qu'est-ce qu'il dit? فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ Alors que Ali, salawatullah wa salamu alayhi, le Coran al-Karim, il dit sur l'histoire magnifique de sacrifice de sa vie. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ Vraiment, ce verset, ça suffit pour nous, pour Ahlul Bayt, pour Ali ibn Abi Talib. Que ce verset, ça nous suffit. Si vous réfléchissez, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ Il donne sa vie. Après, je ne vais pas tout raconter. Encore Sulaiman, je vous donne l'exemple aussi. Il dit, qu'est-ce que tu dis sur Sulaiman? Il dit au Sulaiman, il a dit, Rabbi habli mulkan la yambari li ahad min ba'di. Alors que Amir al-Mu'mini, il dit, Ya dunya, talaqtuki, fa'aishuki qasir wa amad, etc. Avec tous les riwayats que vous savez dans le dunya. Après, le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Lui-même, Amir al-Mu'minin, « يستشهد بهذه الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا » Où il dit, « بَلَا وَاللَّهُ سَمِعُوهَا وَوَعُوهَا وَلَكِنْ حَلْيَتِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِهِمْ وَرَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا » Donc, il dit sur les gens de son époque qu'ils ont aimé ce bas-monde, ils ont été attirés par ce bas-monde, alors qu'ils savent ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire. Après, donc, je ne vais pas continuer avec les autres prophètes. Là, cette personne injuste qui, Hajjaj ibn Yusuf, al-Thaqafi, il dit « Ahsanti ».« Ahsanti », il n'a rien à dire. Et il lui donne beaucoup d'argent. Il dit « T'es libre, tu peux rentrer où tu veux, sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. »« Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. » Et le poème, il dit « Wa kana min khamsatin » ألوى بنجدتها أبو البرية حتى يمنع الغضب باسمه ابن شيث في عدولته جرى على ذروة الطوفان مضطربا يقينه لو خليل الله أدركه لما إلى رؤية الإحياء قد طلبا وأمه دون عذراء الورى طلبت بيت القداسة شوقا ليلها اجتذبا وإلى آخر القصيدة التي تشير jusqu'à la fin de ce poème. Et on a beaucoup de poèmes qui parlent sur ce riwaya et des autres riwayas que Amir al-Mu'minin lui-même il avait expliqué ce maqam. Moi je m'excuse parce que j'étais un petit peu lent. Que Dieu accepte de nous et je vous félicite encore une autre fois. Je félicite notre imam de temps, Sahib al-Asr wa al-Amr wa al-Zaman, Ajallah ta'ala farajahu al-Sharif, pour l'anniversaire de notre imam أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه صلوا على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد لا ما يصير أرجوكم هنا juste avant le dua le livre si quelqu'un il est intéressé
Que Dieu accepte de nous tous, Inch'Allah, c'est chez Hajj Bakr. Si quelqu'un il est intéressé, il veut une ou deux, ou Inch'Allah, Hajj Bakr, il m'a aidé pour ça, que Dieu accepte de lui, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه اشف كل مريض رد كل غريب فك كل أسير أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم فرج عن الأمة الإسلامية في كل مكان اللهم فرج عن الأمة الإسلامية في كل مكان اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا إلى أمواتنا أموات الحاضرين المؤسس خدمة الدين العلماء والشهداء والصالحين الفاتحة مع الصلوات